Ah bon mercredi matin à tous. On est le 2 décembre, pas le 2 décembre, mais des fois, je vous avoue que je regarde ce qui se passe en ce moment euh, dans l'Ouest, surtout américain et canadien, et ça me fait penser vraiment au mois de décembre, mais plus plus le 25 que le 2 décembre. Mais finalement, on est le 2 octobre. Heureux de vous retrouver. 2 octobre, 5h, 5h51, heure du Québec. Merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. C'est juste pour nous, Freedom News Network, puis on veut savoir ce qui se passe, on veut comprendre ce qui se passe. Beaucoup de choses aujourd'hui, restez avec moi. On s'en va, on commence la journée de façon euh, dramatique pour euh, le Royaume-Uni. Alors, inondations euh, majeures, hein? inondations euh, qui ont dû euh, mener à des opérations de sauvetage, hein? les flash flooding, les, les inondations euh, soudaines. Suite à des pluies euh, diluviennes, l'Agence pour l'environnement en Angleterre a émis plus de 250 avertissements et alertes tôt dans la matinée d'aujourd'hui, euh, ou plutôt d'hier, de mardi hier, à la suite de pluies torrentielles dans diverses régions du Royaume-Uni. Les inondations majeures ont endommagé les routes, perturbé les déplacements et on a dû forcer l'évacuation de plusieurs, plusieurs personnes. Sur l'île de Man, Plusieurs résidents ont été coincés dans leurs maisons frappés par les inondations. Les zones le long de la rivière Lake Sea gonflées auraient été les plus touchées. Les, ondes, les inondations ont balayé les véhicules. Imaginez, c'est comme si c'était des petits morceaux de, de bois qui se promenaient dans les rues et provoquaient la fermeture de routes. Les pompiers et les gardes côtes ont été déployés dans les zones touchées. Alors, juste une idée de, de la situation. Regardez ça. Hier matin en Angleterre. Regardez la voiture ici, ou ça, c'est même pas une voiture, c'est une benne, c'est une pépine, comme on dit par chez nous, qui se fait trimballer par les flots. Les routes ont été fermées. Des inondations vraiment majeures. En Angleterre, l'Agence pour l'environnement a publié un avis d'alerte d'inondation relatif à l'évacuation préventive de la côte du Nord, Norfolk. La, la note euh, de l'avis la, la, la couvre également les zones côtières de Hunstanton, Hitcham euh, et Snitchisham. Selon l'agence, des avertissements d'inondation ont été émis avant les inondations potentielles de la combinaison de la marée haute et des vents du nord-ouest jusqu'à la force 6. Et on peut voir l'avis la ici d'évacuation qui avait été donné pour les euh, habitants de Hunstanton. Les inondations et les fortes pluies ont perturbé des déplacements en train dans certaines régions du nord de l'Angleterre et de euh, powys au Pays de Galles. Des vents violents et des vagues ont endommagé des propriétés à saint léonard -en de sy dans l'East Sussex. On peut voir ici la mer déchaînée aussi. Donc, euh, un avertissement météo jaune a été placé dans tout le Pays de Galles, indiquant que les accumulations de pluie. Et les importantes euh, et les, euh, de pluie, les plus importantes, ne se produiront probablement que dans quelques endroits où les averses ralentissent avec une possibilité de 40 à 50 mm de pluie. Et de, il y a de la grêle et de la foudre qui pourraient aussi faire partie de ce bordel. Donc, il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Hein? Inondations soudaine suite à des pluies diluviennes en Angleterre. Pays de Galles, Royaume-Uni, hier. Donc, la France, surveillez-vous, sûrement que votre tour s'en vient.